Bonjour les amis, c'est Kira, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo les amis, on va devoir faire des choix. Et vous savez très bien que moi je suis quelqu'un de très indécis. On va tout simplement jouer à Apurez-vous sur le bouton. Alors le principe est très simple les amis, c'est on a un choix, mais on a également une contrainte. Donc si on appuie sur le bouton, ça veut dire qu'on valide les deux. Donc je vais prendre l'exemple de ce premier choix. Tu gagnes 6 000 € par mois sans travailler. Donc en fait un peu comme moi actuellement. Mais par contre, tu ne pourras plus manger de chocolat. Bon alors clairement, le chocolat j'aime bien ça, mais au point de sacrifier 6 000 € par mois, et clairement le chocolat, j'en ai rien à foutre. Enfin, pour 6 000 € par mois, je veux bien plus manger de chocolat, parce qu'avec les 6 000 € par mois, bah, je peux dire que je vais pouvoir en acheter des trucs. Comme par exemple du poulet, parce que le poulet, c'est bon. Donc bien entendu, j'appuie sur le bouton. Donc 70% des personnes ont appuyé sur le bouton, et il y a 30% des personnes qui ne l'ont pas fait. Il y a 30% des personnes qui préfèrent manger du chocolat que gagner 6 000 € par mois sans travailler. Là, je suis vraiment sur le cul. Tu peux voir dans le noir. Ah, voir dans le noir, c'est... ça sert à rien. C'est un peu comme les chats, parce que les chats peuvent voir dans le noir, mais à chaque fois que tu t'exposes à la pleine lune, tu deviens un chat. Mais non, en fait, enfin... après, devenir un chat, ça peut être cool. En fait, je préfère le mais que tu peux voir dans le noir. Clairement, m'exposer à la pleine lune et devenir un chat, mais c'est trop bien, vous imaginez? Devenir un chat. Parce que finalement, c'est cool. Quand t'as envie de sortir, bah t'attends que ce soit pas la pleine lune, et comme ça tu vois dans le noir. Et quand c'est la pleine lune, bah c'est cool parce que t'es un chat. Moi, j'appuie clairement sur le bouton. 72% des gens ont cliqué sur le bouton, donc voilà. Donc les gens sont d'accord avec moi. Je suis dans la moyenne pour l'instant, donc ça va. Nouvelle question, tu peux protéger à distance n'importe qui. Protéger dans quel sens? Ça veut dire protéger, le rendre invincible en fait. Mais pendant ce temps, tu es vulnérable. Ah, mais c'est pas grave. Au moment où tu protèges quelqu'un, généralement, tu vas essayer d'être en sécurité. Après le gros souci c'est que si t'es avec la personne au moment où il arrive un accident, dans ta tête tu vas te dire est-ce que je protège la personne pour la sauver, mais par contre moi je risque de mourir. Moi je vais dire oui parce que pour moi ça me paraît logique quoi. Voilà, 76% encore des personnes qui ont dit oui. Pour l'instant on a plutôt des questions qui sont assez logiques en fait finalement. Tu peux voler. En fait je rêve tellement de pouvoir voler et de pouvoir voir les paysages autour, c'est quelque chose de magnifique. Mais à chaque fois que tu te poses, tu feras un trou dans le sol. D'accord. Ah ouais, non, enfin non, c'est embêtant parce que si je fais un trou dans le sol, ça veut dire que je vais tomber. Ah mais non, c'est à chaque fois que je me pose. C'est pas quand je marche dans la rue. C'est pas dérangeant finalement parce qu'au pire, je me pose toujours au même endroit et comme ça, il y aura un trou dans le sol et je pourrai voler. Non, vas-y, on appuie, mais largement, moi j'appuie. Voilà, 71% des gens ont encore voté. Ils sont encore d'accord avec moi. Tu peux avoir de l'argent en claquant des doigts. Voilà. Là par exemple j'ai de l'argent, mais tu devras quand même travailler. Attendez, c'est pas logique, bah j'appuie. Ah oui, 90% des gens ont appuyé, ça change rien. C'est complètement con cette question. C'est la merde cette question, bof. Tu peux avoir le dernier iPhone gratuitement. Alors je m'en fous des iPhones, mais d'accord. Mais ce sera ton dernier, sans façon. Je préfère m'acheter le téléphone que je veux. Voilà. Les gens sont d'accord avec moi. Ah, t'as quand même 36% des gens qui veulent avoir le dernier iPhone gratuitement. Mais par contre ils vont rester avec le dernier iPhone toute leur vie. Donc 20 ans plus tard ils auront encore le dernier iPhone, ils pourront pas changer. Tu peux enlever tous les actes de violence gratuites envers les animaux. Ça c'est vraiment pas mal, on va vraiment voir ce qu'il y a dans le mets. Mais tu ne pourras plus t'acheter de vêtements dont la somme est supérieure à 100 €. Vous pensez que je suis un gros connard et que je vais pas appuyer sur le bouton? Si je peux enlever toutes les actes de violence gratuites envers les animaux, mais j'appuie direct. Finalement acheter des vêtements qui coûtent moins de 100 €, c'est largement faisable. Il y a plein de vêtements qui coûtent moins de 100 €, tu peux t'habiller facilement avec moins de 100 €, largement. Je vais appuyer sur le bouton et je pense que la plupart des gens vont appuyer dessus. Quoi? T'as 26% de putain d'enculés qui ont pas appuyé dessus. Mais mourez les mecs, mourez bande de richoux avec vos vêtements à plus de 100 €. Je suis déçu, là je suis déçu, je suis en colère. Tu sauras cuisiner tout et n'importe quoi à la perfection. Oh ça ce serait parfait. Moi je sais pas du tout cuisiner à part faire des pâtes et un steak haché. Donc clairement ça c'est cool. Mais tu ne pourras plus manger au restaurant. Oh non. Oh non. Pourquoi ce mets là? Pour une fois qu'on a une question difficile. Oh non, le restaurant je kiffe ça. Moi le restaurant j'aime bien. Moi j'adore tout ce qui est culinaire. Après je saurais cuisiner ce que je veux. Non, je vais pas appuyer sur le bouton les amis. Je préfère continuer à me faire des pâtes, steak haché et aller manger au resto à côté. Ah bah pour une fois les gens sont pas d'accord avec moi. Voilà, t'as 68% des gens qui préfèrent donc savoir cuisiner et ne plus aller au resto. Je suis désolé au resto les amis, c'est la vie. Ah tiens, attention, ça parle de youtubeur. Tu seras le youtubeur le plus connu du monde. Mais c'est pas déjà le cas, je suis pas déjà le youtubeur le plus connu du monde. Mais tu devras chanter du Patrick Sébastien une fois par mois dans une vidéo. Mais bien sûr que j'appuie les amis, Patrick Sébastien moi en plus j'adore. Moi je peux te chanter du Patrick Sébastien dans toutes les vidéos si tu veux. Si je peux être le youtubeur le plus connu du monde et chanter en plus du Patrick Sébastien, on y va quoi. Regardez moi y a pas de souci, je chante du Patrick Sébastien. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que t'aies tout bon pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire, yeah! Vous avez vu, y a pas de honte à chanter du Patrick Sébastien. Bah oui, 72 personnes ont appuyé sur le bouton. Putain, y a 27 personnes qui ne veulent même pas chanter du Patrick Sébastien pour être le youtubeur le plus connu au monde. Ces personnes doivent avoir une haine immense envers Patrick Sébastien. Tu deviens un super héros, mais tu ne te déplaces qu'en sous-vêtements. C'est pas déjà le cas de Superman? Avec son slip au-dessus du pantalon, devient un super-héros. Mais le problème, c'est qu'on sait même pas les pouvoirs en fait du super-héros. Ça dépend ce que c'est. Si notre pouvoir, ça nous permet de récupérer des vêtements, pourquoi pas quoi? Non, mais je vais pas cliquer. 50% des deux côtés, t'as 20 personnes qui ont appuyé et 20 personnes qui ne l'ont pas fait. Donc c'est une question pas très posée pour l'instant. Tu peux te téléporter où tu le souhaites, même dans les dessins animés, manga ou jeux vidéo. Oh.
Alors ça c'est magnifique. Je vais pas encore regarder le même, mais se téléporter, mais vous imaginez les amis, se téléporter dans n'importe quel manga, dessin animé ou jeu vidéo. Alors moi dessin animé manga, je suis pas trop dessin animé manga, même si j'aime beaucoup Full Metal Alchemist, Death Note, vous en doutez avec mon pseudo. Mais dans les jeux vidéo, il y a tellement, mais rien que World of Warcraft les amis. Me téléporter dans le monde de World of Warcraft, ce serait énorme. Mais si tu le relèves à quelqu'un, Squeezie et Mario disparaîtront. Mais je m'en bats les couilles. Mais déjà je vais le révéler à personne. Et en plus si je révèle, bah, Squeezie et Mario peuvent disparaître. Mais j'appuie sur ce bouton putain. 70%, bon t'as 22% qui aiment beaucoup Mario et Squeezie apparemment. Mais putain, mais oui j'appuie. Moi j'y vais directement dans le monde de World of Warcraft, y'a pas de souci. Tu possèdes un accès VIP pour tous les endroits du monde, concerts, restaurants, hôtels, etc. Et on a quand même des bonnes questions. Parce que là clairement ça me tente aussi. Y'a concert, restaurant, hôtel. On peut faire beaucoup de choses, rien que les concerts. Vous imaginez tous les concerts de musique. Mais tu devras te faire discret car beaucoup de monde souhaiteront venir avec toi. Bah après ils peuvent venir avec moi, y'a pas de souci. Qui viennent avec moi, y'a pas de souci. Bah oui, 85%, y'a. Moi j'invite tout le monde, allez, let's go, c'est parti, on y va. J'invite tous les abonnés au restaurant, au concert, etc. Tu peux choisir une personne de ton choix pour qu'il t'aime, d'accord. Mais le fluff, pâte à tartiner au marshmallow. Oh, n'existe plus. Pâte à tartiner au marshmallow. T'as vraiment des gens qui mangent ça? Bah j'appuie si je peux choisir une personne de mon choix pour qu'il m'aime. Surtout que le fluff, bah je m'en fous en fait. Moi j'aime le banania, voilà. C'est un peu comme le Nutella, mais dedans y a pas d'huile de palme. 80% hein, en cliquant hein, forcément. Tu peux devenir le personnage de ton manga préféré. Ah moi Light Yagami les amis, c'est moi Light Yagami. Mais ses pouvoirs seront inversés. Ses pouvoirs seront inversés. Alors si je prends Light Yagami, donc ça veut dire que quand je tue quelqu'un. Ça veut dire que quand je tue quelqu'un, je le fais revivre. Mais c'est ça en fait. Oh mon dieu. Ça veut dire que je serai le Light Yagami qui fait revivre les jambons. Non, pas le jambon à manger les amis, les jambons. Mais bien sûr que je clique, mais bien sûr. 41%. Mais c'est parce qu'ils ont des personnages de manga préférés. Nul aussi, bordel. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Là, si je veux une meuf à poil devant moi, elle apparaît. Non, c'est pas ce que je demanderai en premier. Moi, si je pourrais avoir tout ce que je veux, je demanderais une Ferrari, une Porsche, une piscine, une villa, une fusée, un jet privé. Mais toutes traces d'alcool seront supprimées de la surface de la Terre. Et ça c'est fou parce que l'alcool c'est la vie quand même. L'alcool c'est la vie. Mais je clique quand même. Bah voilà, 84%. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, appuyez-vous sur le bouton. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Et bien entendu, mettez un gros pouce bleu vers le haut si ça vous a fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut !